إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Mes frères, mes sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullah. Comme vous le savez tous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui voit quelque chose de blâmable, qu'il le change avec sa main, et s'il ne peut pas le faire, alors qu'il le change avec sa langue, et s'il ne peut pas le faire, alors qu'il le change avec son cœur, et c'est cela le plus bas de la foi. Rapporté par l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala. Man ra'a munkara falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adha'afu al-iman. Mes frères, mes sœurs, nous avons le devoir, et selon bien sûr nos possibilités, nos moyens, nous avons le devoir d'inviter, de montrer ce qui est bien, c'est-à-dire ce qui est conforme à notre religion, l'islam. Et nous avons donc aussi le devoir d'interdire, de montrer ce qui est mal, c'est-à-dire ce qui n'est pas conforme à notre religion, l'islam. Et donc, mes frères, mes sœurs, nous avons aussi le devoir, et bien sûr, comme je l'ai dit toujours, selon nos possibilités, nos moyens, nous avons le devoir de mettre en garde contre ceux qui veulent propager l'ignorance, le doute, l'égarement, le sectarisme, l'innovation au sein de notre communauté, la communauté musulmane. Bien des égarés, mes frères, mes sœurs, bien des ignorants, des sectaires, des innovateurs, propagent leur ambiguïté. Et il est clair pour vous tous, et cela afin de préserver notre religion, l'islam, afin de préserver nos frères, nos sœurs, de l'égarement, du sectarisme, de l'innovation, etc., qu'il faille mettre en garde contre ces personnes qui sont les relayeurs de l'égarement, wal'iyadu billah, et qui sont aussi les têtes de l'ignorance. Comme le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal n'enlèvera pas la science en la retirant du cœur des hommes, de la poitrine des hommes, des serviteurs, mais il enlèvera la science par la mort des savants. Alors les gens se tourneront vers des ignorants, ils leur poseront des questions, et donc ces ignorants donneront leur avis, et ils s'égareront ainsi que eux, c'est-à-dire ceux qui donnent ces avis. Wal'iyadu billah. Et comme le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, inna min ashrati as-sa'a an yurfa'a al-'ilm wa yuthbata al-jahl. Parmi les signes de l'heure, il y a le fait que la science sera enlevée et que l'ignorance, elle, sera affirmée, donc sera propagée partout, contrairement à la science. Wal'iyadu billah. Il y a donc, à la lecture de ces textes, qui ne sont rien d'autre qu'une révélation inspirée, une parole de vérité, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a donc, selon ces textes, des personnes qui, ignorants, se permettent de donner leur avis. Wal'iyadu billah. Ils s'égarent et ceux qui les écoutent s'égarent donc avec eux. J'ai donc décidé aujourd'hui, car vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, car vous êtes des bijoux qui doivent briller de tout leur éclat, de vous mettre en garde contre l'un de ces ignorants qui appellent à l'ignorance, au sectarisme, à l'égarement, à l'innovation, au doute. J'ai donc décidé de vous mettre en garde contre Maître Mati Marmar. Vous l'aurez compris, Maître Mati Marmar est de ceux qui, malgré leur grande ignorance, se permettent de donner leur avis, et il est facile de le prouver. Alors, mes frères, mes sœurs, qui est Maître Mati Marmar? Qui est Maître Mati Marmar? Il est celui qui qualifie des hadiths authentiques qui ne lui plaisent pas de hadiths sans valeur. En effet, les hadiths qui s'opposent à son idéologie tordue sont, lorsqu'on lui cite, qualifiés de hadiths sans valeur. Wal'iyadu billah. Qui est Maître Mati Marmar? Il est celui qui n'aime pas les sources sunnites en disant qu'elles ont été en majorité détruites. Wal'iyadu billah. Qui est Maître Mati Marmar? Il est celui qui affirme dans son sectarisme ignorant que le Coran est un complet. Qui est Maître Mati Marmar? Il est celui qui dit qu'Ibn Taymiyyah était malhonnête et sectaire. Allahu al-musta'an. Qui est Maître Mati Marmar? Il est celui qui dit des compagnons iront griller en enfer. Vous l'avez bien entendu. Il a dit des compagnons iront griller en enfer. Mais qui est-il, cet ignorant, pour parler de la sorte? Qui est Maître Mati Marmar? Il est de ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe ni la grammaire et qui se disent étudiants. Voyez, mes frères, mes sœurs, comme cela reflète bien le hadith que
nous avions cité précédemment, ces gens ignorants qui se permettent de donner leur avis, ils s'égarent ainsi que ceux qui les écoutent. Qui est Metmati Marmar? Il est celui qui ment sur les imams et les compagnons. En effet, il dit que certains compagnons et imams ont qualifié la prière de Tarawih d'innovation blâmable, alors qu'aucun parmi les imams ou les compagnons ne l'a qualifié d'innovation blâmable. Cela est un énorme mensonge qu'il leur attribue. Qui est Metmati Marmar? Il est celui qui ment sur ce qu'il dit. En effet, il dira qu'il n'a jamais parlé sur notre mère Aïcha et qu'il n'a fait que traduire ou ramener des textes, alors que les paroles qu'il dit à l'encontre de notre mère sont bien les siennes, comme par exemple le fait que celle-ci aurait présenté au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une excuse fallacieuse, ou encore qu'elle se serait opposée à sa volonté. Ces paroles sont les siennes et non une traduction ou un texte. Qui est Metmati Marmar? Il est celui qui qualifie les Arabes de nuls et de zéro. Subhanallah, amma yaqul uluwan kabira. Qui est Metmati Marmar? Il est celui qui propage des hadiths faux sans préciser qu'ils le sont. Voilà une méthodologie stupide et non islamique. Lorsque ces hadiths vont dans le sens de son idéologie tordue, et malgré qu'ils soient faux, alors il les cite, mais omet de préciser qu'ils sont faux. Qui est Metmati Marmar? Il est celui qui prétend que les sunnites ne doivent prendre que des deux sahihs, que sont Al-Bukhari et Muslim, et qu'ils doivent délaisser tous les autres hadiths authentiques. Wal-iyadu billah. Qui est Metmati Marmar? Il est celui qui occulte des hadiths qui s'opposent à son sectarisme. Il occultera par exemple, et cela à profusion, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant la prière de Tarawih, فَلَمْ يَمْنَعُنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ. Rien ne m'a empêché de venir avec vous, hormis le fait que je craignais qu'elle ne vous soit rendue obligatoire. Car cela s'oppose à ces théories stupides qui sont de qualifier la prière de Tarawih d'innovation blâmable. Qui est Metmati Marmar? Il est celui qui qualifie le calife Omar d'avoir eu des comportements curieux, violents, etc. Qui est Metmati Marmar? Il est celui qui dit que certains compagnons se sont opposés à la volonté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui est Metmati Marmar? Il est celui qui dit qu'Ibn Abbas, le savant parmi les compagnons, qu'Allah les agrée tous, et qui a qualifié les gens de vérité de Ahlus Sunnah wal Jama'a, il est celui qui dit de lui et de cette qualification qu'il dit n'importe quoi. Allahu Musta'an. Mais qui est-il? Qui est Metmati Marmar? Il est celui qui aime s'attaquer à l'honneur des gens en disant qu'ils ont une barbe mais qu'ils touchent le RSA ou le RMI. Voilà un comportement haineux, non sincère, qui est de s'attaquer à l'honneur des gens et non de prêcher à la vérité. Qui est Metmati Marmar? Il est celui qui prétend que la sunna n'a pas été protégée. Allahu Musta'an. Qui est Metmati Marmar? Il est celui qui fait les éloges de Khomeini, le pédophile. Qui est Metmati Marmar? Il est celui qui dit qu'il y a de vrais compagnons et de faux compagnons. Qui est Metmati Marmar? Eh bien, mes frères, mes sœurs, au rappel de ces points, et j'aurais bien pu en rappeler d'autres, je n'ai qu'une seule chose à dire. Ne l'écoutez pas et boycottez-le. Allahumma ja'al amali kullahu saliha, waj'alhu liwajhika khalisa, wa la taj'al li ahadin fi shay'a. Mon Seigneur, fasse que cette action soit sincère, qu'elle soit pour ton visage sincère, et ne mets rien dans cette action pour quelqu'un d'autre que toi. J'aimerais conclure par le fait que la science, eh bien, c'est ce qui fait la différence entre les gens de l'islam et les gens de l'ignorance. هذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام. فلا بد من العلم. Il est obligatoire d'acquérir la science avant de parler. Voilà ce que dit Sheikh Raslan, et de toute façon, voilà ce que disent tous les savants de l'islam. Alors, mes frères, mes sœurs, boycottez Metmati Marmar, boycottez ses livres et mettez en garde contre ses écrits, contre ses paroles, contre sa doctrine dégarée de sectaire. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته